Il y a quelques mois, cette vidéo a été publiée sur internet. Je vais vous présenter un petit tuto de la danse des JO. Alors la boxe, ça fait et gauche, droite, point gauche, point droit. Ensuite, on décale à droite, on décale à gauche, on décale à droite, point, coup de pied. Et là, on enchaîne avec les séquences de sport et football au ralenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous le faites bien. Basket, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la petite danse, pam, 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 clap, 1, 1, 1, clap, 1, 1, 1, clap, et 1, 1, 1, 1, check. Et 5, 6, 7, 8 heures. Papa, papa, papa. Enchaîne. Okay. Bravo les gars. Bravo. Super, belle équipe. Merci. Et c'est pas fou, on va pas se mentir, c'est un constat que des milliers de personnes ont pu faire et partager pour certains et certaines sur internet. Alors oui, c'est pas incroyable à différents niveaux, mais avant de comprendre ce qui s'est passé, c'est intéressant de savoir aussi ce que c'est cette vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Emmanuelle et la danse est au cœur de ma vie depuis pas mal d'années, au point où j'ai eu envie de partager un peu de cet univers ici. Aujourd'hui, on va analyser ensemble ce qui se cache derrière cette chorégraphie. Bon, déjà, contrairement à ce que beaucoup de personnes ont annoncé par ignorance, ce n'est pas la danse des danseurs professionnels des Jeux Olympiques 2024. C'est pas non plus la danse qui a été créée pour la cérémonie d'ouverture, c'est une danse qui a été créée dans le cadre de l'Olympiade culturelle. Alors l'Olympiade culturelle, c'est une programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire qui se passe avant, pendant les Jeux et jusqu'au 8 septembre 2024. C'est l'idée de lier culture et sport, de donner des opportunités et des activités au plus grand nombre, puisque dans le cas de Paris 2024, c'était beaucoup d'événements, et c'est toujours beaucoup d'événements, et d'activités gratuites. Par exemple, l'année dernière, il y a eu des cours de danse qui étaient proposés à Paris gratuitement pendant l'été. J'avoue que j'y suis allée, et c'était vraiment chouette. Bref, revenons à cette chorégraphie qui avait aussi pour but d'être proposée dans des lieux scolaires, et accessibles de la maternelle jusqu'à l'université, pour encourager l'activité physique et enrichir le parcours d'éducation artistique des élèves. Bon là je cite en partie le site des Jeux Olympiques, je vous mets de toute façon les liens en description si vous voulez approfondir le sujet et regarder les sources. Autour de cette chorégraphie a eu lieu aussi un concours et les gagnants et gagnantes ont pu danser ensemble au théâtre de la ville de Paris. Donc je pense qu'il y avait aussi l'idée avec cette chorégraphie de donner l'envie de concourir, de se dépasser et de se retrouver, de fédérer un peu les gens autour de cette chorégraphie. Il existe en fait deux versions de cette chorégraphie, une qui est simple et une qui est plus avancée. Il y a des tutoriels sur la chaîne de Paris 2024 pour l'apprendre et dans les mouvements on voit vite qu'il y a une partie où ils reprennent pas mal de gestes liés à différents sports en référence aux Jeux Olympiques. Je pense que l'idée c'était aussi de faire avec cette chorégraphie debout et un peu dynamique un écho au hip-hop et notamment au breakdance qui fait son entrée aux Jeux Olympiques cette année. Donc pour faire cette chorégraphie, c'est le chorégraphe Mourad Merzouki qui a été choisi, qui est un créateur qui fait des pièces où il mélange pas mal le hip-hop, le cirque, la danse contemporaine, la création en lumière, enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui se mélangent et c'est un chorégraphe à succès. C'est l'un des premiers en France à avoir pris la direction d'un centre chorégraphique national de la danse avec une identité hip-hop. Il a vraiment cette base hip-hop et cirque et le fait qu'il ait été choisi pour diriger un centre chorégraphique à ce moment-là a vraiment changé le paysage de la danse en France. Et ce centre chorégraphique, il était juste avant dirigé par José Montalvo et Dominique Hervieux, cette dernière étant aujourd'hui la directrice de la culture au sein de l'organisme animant les Jeux Olympiques de Paris 2024. La compagnie de Mourad Merzouki, qui s'appelle la compagnie CAFIG, elle est soutenue par le ministère de la Culture depuis pas mal de temps, ce qui veut dire qu'ils ont pas mal de soutien. Et pour résumer, c'est quelqu'un qui
pèsent clairement sur la scène chorégraphique française en 2024. Au moment où je tourne cette vidéo, il est indiqué sur leur site que 12 de ces spectacles sont en tournée en ce moment même, ce qui fait vraiment beaucoup 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 de personnes et de choses à gérer. Je vous la fais rapide, mais si ça vous parle, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Bon, avec ces informations, ça excuse pas forcément la qualité de la vidéo, mais ça explique en partie comment cette vidéo justement elle a été faite et dans quel contexte. Cette vidéo je la fais aussi et grâce notamment à une copine qui est dans la compagnie, qui a pris le temps de me parler un peu de comment ça s'était passé, de quel était le contexte de création de cette vidéo et aussi des dommages qu'elle a fait, parce qu'il y en a eu. En fait, dans cette vidéo, qui est à la base celle qui a beaucoup circulé et beaucoup été critiquée, on voit trois danseurs de la compagnie et l'assistante chorégraphe de Mourad Merzouki. Une petite partie de la chorégraphie est reprise du spectacle Box Box Brésil, selon une amie danseuse qui l'a vu récemment et les extraits que j'ai pu trouver. Donc on avait vraiment une petite base là qui pouvait faire un peu lien et sens avec les Olympiques de base. Ce qui est flagrant dans cette vidéo, c'est le manque de concentration, de précision, de coordination et d'énergie des danseurs. On voit vraiment qu'ils y mettent pas du leur, que la personne devant elle est pas sûre qu'ils suivent trop. On sent qu'ils sont pas ensemble, le check de la fin c'est compliqué, le super belle équipe à la fin ça sonne si faux. En fait on dirait un peu une blague, j'avoue. Et aussi c'est tourné au musée d'Orsay, donc il y a quand même une forme de prestige de pouvoir danser là-bas. Et en fait même le cadrage il est pas bien quoi. Dans les danseurs qui sont là, on retrouve donc des gens qui sont de la compagnie Kafig, mais il y en a qui sont là plus comme acrobates de base, d'autres qui sont là plus pour faire des cachets et se donner dans des projets qui leur parlent peut-être plus, puisqu'en fait je rappelle que pour obtenir l'intermittence en France, il faut faire un certain nombre d'heures, donc de cachets. Et il y a beaucoup beaucoup de professionnels du spectacle qui sont obligés de faire des projets qu'ils aiment bah, plus ou moins en vrai, juste pour faire leurs heures, pour pouvoir avoir leur intermittence. Je vous mets un lien vers une ancienne vidéo dans laquelle j'explique un peu mieux ça, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, cette vidéo, ça se voit que c'était clairement pas dans leur priorité. Alors peut-être que cette attitude de détachement, c'était aussi une façon de pas totalement adhérer au projet et de prendre de la distance, qui les tient aussi un peu loin des moqueries, mais ça j'avoue que je sais pas, c'est vraiment juste moi qui peux l'imaginer si j'étais à leur place. Après, au vu de l'organisation plus globale de la compagnie, ça semble assez représentatif, puisqu'on propose des projets, ça dit souvent oui, tout en étant un peu dépassé par l'ampleur des choses, et ça finit parfois avec des choses super et parfois avec des choses comme ça. Dans les choses super, je pense notamment à Pixel qui est un de leurs spectacles que j'ai vu il y a déjà vraiment pas mal d'années mais que j'avais adoré et qui a vraiment marqué ma vie de spectatrice et de personne en mouvement puisqu'il me semble qu'il tourne encore, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Mais là vraiment c'est pas super, maintenant l'idée c'est de savoir aussi pourquoi ça a tant fait parler. Déjà de présenter ça c'est limite insultant pour les danseurs et pour les Français qui se sentent un peu concernés. Vraiment d'être représenté comme ça, avec toute la richesse de la danse en France, le nombre de danseurs, de danseuses talentueux, bosseurs, même amateurs comme professionnels, on a vraiment beaucoup 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 de personnes qui pourraient faire mieux, tout simplement. Et à de nombreux niveaux. Et aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas l'opportunité d'être sur scène, de vivre de la danse, de chorégraphier pour des danseurs. C'est pas le choix de métier le plus simple et c'est souvent un choix de passion dans lequel on met son sang, sa sueur, son cœur, sa passion et vraiment beaucoup de soi. Du coup forcément c'est rageant et désolant de se voir représenté de cette manière au plus grand nombre. Et même si on sort de cette vidéo là qui a beaucoup fait parler, même sur les vidéos de face que j'ai regardé des tutos, donc qui sont beaucoup mieux filmés et beaucoup plus précis, je trouve que ça manque quand même de précision et d'impact de manière générale. Alors je sais que c'est pas fait pour être parfait, mais je vois pas l'intérêt que ce qu'ils le fassent soit un peu imprécis, puisque de toute façon, si elle est apprise par des amateurs, il y aura forcément des imperfections, et c'est ok, mais je vois pas l'idée d'être pas très précis dans l'apprentissage, je trouve que ça aide pas trop. Et puis voilà, j'avoue que personnellement, j'aurais aimé déjà plus de diversité dans les tutos, puisqu'elle est faite pour tout le monde, cette chorégraphie, mais la diversité, elle arrive plutôt après, quand ils l'ont dansée au Téléthon ou à d'autres moments. Bon, pour revenir aux dégâts, et bien malheureusement, le monde de la danse n'est pas épargné de violence, et Internet a fait ce qu'il sait faire, envoyer de la haine en masse à une seule personne à un moment donné. Alors dans le cas de cette vidéo, c'est notamment l'assistante chorégraphe qui a reçu beaucoup 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 de commentaires négatifs et haineux, ce qui a été franchement pas drôle ni pour elle ni pour sa famille qui a assisté à cette violence numérique. Alors je sais pas trop ce qu'il en est des autres danseurs, mais pour la personne mise en avant sur la vidéo, ça a pas été drôle. Alors bien sûr qu'on a le droit de ne pas aimer un travail, mais il y a de nombreuses façons de le faire savoir sans être insultant envers les humains qu'il y a derrière. On peut pas réduire quelqu'un à quelques secondes, quelques minutes ou même quelques heures d'un moment donné, dans des circonstances données. Si la personne elle avait commis un crime avéré ou tenu des propos de haine, à ce moment-là, forcément c'est condamnable, c'est sûr. Mais là on parle de danse. On parle vraiment d'une danse, quand même.
Puisqu'elle était triste aussi, c'est qu'il y a des personnes assez influentes dans le monde de la danse qui ont partagé cette vidéo pour se joindre à ces moqueries, sans imaginer les conséquences, ou peut-être en les imaginant et en les ignorant. Et d'autres n'ont pas forcément pris le temps de défendre leurs danseurs. Alors oui, c'est désolant comme représentation, mais en creusant, on peut aussi revenir à toute l'organisation des derniers mois vécus avant l'ouverture des Jeux Olympiques, et voir à quel point déjà c'était lunaire. Alors pareil, je dis pas qu'il y a pas des explications, ils ont pas des raisons au niveau de l'organisation, mais on était quand même sur des deadlines qui étaient hyper courtes pour des projets assez ambitieux, comme par exemple nettoyer la scène, des réalités hyper décevantes de transports en commun qui coûtent très cher en argent mais aussi en énergie pour les Parisiens et Parisiennes, les logos et la mascotte qui ont aussi fait beaucoup parler, les étudiants qui sont sortis de leur logement, la barrière de corail, il y a plein de personnes qui en parlent mieux que moi sur internet, mais il y avait aussi beaucoup de choses qui se sont passées. Mon domaine c'est plutôt la partie culturelle, mais je pense qu'en fait ce contexte qui était assez navrant pré-Jeux Olympiques a clairement encouragé des personnes à critiquer également cette chorégraphie. Et alors là je vous demande vraiment de ne pas aller harceler qui que ce soit à l'issue de cette vidéo, ce serait vraiment vraiment pas du tout mon but. Par contre si vous avez des conseils de spectacles à aller voir, des idées pour une danse plus inclusive dans le futur, parce que je l'ai pas dit mais perso moi je suis vraiment à fond pour que tout le monde puisse danser avec n'importe quel handicap et le plus librement possible, donc let's go donner des pistes pour soutenir ça aussi. Pour aller voir encore plus profondément ce qui se cache derrière cette toute petite vidéo, je trouve qu'on revient à une conclusion qui ressemble un peu à celle qu'on avait fait sur la vidéo de la danse jazz que je vous mets par ici si ça vous intéresse, avec l'idée que ce serait peut-être chouette de repenser un peu toutes les subventions et les aides et les opportunités qu'on donne à des personnes. Là notamment ça a été donné à une grosse compagnie subventionnée qui a déjà beaucoup beaucoup de travail et qui était peut-être pas apte à ce moment-là à prendre cette responsabilité, cette opportunité. Alors ils l'ont fait, ça s'est fait, ça a donné ce que ça a fait et pour certaines personnes, eh ben, c'est largement suffisant et c'est très très bien. Mais c'est vrai que je pense que ça aurait pu être aussi intéressant de donner cette opportunité à des compagnies plus émergentes, de trouver peut-être quelque chose à faire concourir. Je sais pas si c'était une histoire de deadline, de facilité ou pas. Mine de rien, c'est aussi génial d'avoir des compagnies nationales qui ont de telles subventions et qui font des projets ambitieux. Et c'est beau, mais ça dépasse leur réalité à des moments et on se retrouve avec des propositions de cette qualité-là qui engendrent une forme de violence et de déception. À ce moment-là, je trouve que ça mérite peut-être d'être mis en question. En tout cas, j'ai l'espoir que ça ait permis à quelques personnes, enfants, adultes, handicapés ou pas, de se connecter à une forme de mouvement à un moment donné et peut-être d'apprécier de danser ensemble quelques minutes. Mourad Merzouki, de son côté, a aussi travaillé avec l'équipe française de natation synchronisée, aussi appelée natation artistique, pour les JO 2024. La danse, elle intervient à de nombreux endroits dans ces Jeux Olympiques et dans une prochaine vidéo, on va analyser ensemble la partie dansée de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc si ça vous parle, vous pouvez vous abonner pour suivre et soutenir le projet. Et c'est super intéressant parce qu'il y a pas mal de points qu'on a abordés dans cette vidéo qui sont pas mal remis en question grâce à la cérémonie d'ouverture. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez appris quelque chose durant cette vidéo, si vous avez d'autres points de vue ou informations sur le sujet vraiment. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, à me faire savoir si la vidéo vous a plu et quoi qu'il en soit, allez danser, profitez, propagez de l'amour et de l'espoir autant que vous le pouvez. A bientôt pour une nouvelle vidéo, belle journée à vous et des bisous !